Voilà les amis, je continue ma petite promenade. La pleine nature. Et je reprends mes petites fleurs. Voilà. Et je vous montre encore. Ma grande fille qui revient. Oups. Voilà. Coucou. Voilà. De nouveau là-bas au bout et je vous montre les amis. Et j'espère que malgré un petit peu moins de vent, vous m'entendrez bien et que mes petites vidéos vous plairont aussi. Voilà les amis, on va faire le tour. Ma grande fille, elle continue plus loin. Viens. Viens Blondinette. Oui, voilà, c'est Blondinette. Voilà les amis, je vais déposer mon petit bouquet dessus. Il est un peu fané, hein? Voilà. Je le mettrai un peu dans l'eau en rentrant. Voilà. C'est un peu comme une petite cabane. Un peu comme au bois. Je vous ai montré l'autre fois. Au bois. Oups. Pour ne pas me cogner, hein, les amis. Voilà, je suis assise en dessous de la petite cabane. Voilà. Viens t'asseoir près de moi, non? Voilà. Ma grande fille n'a pas très envie de s'asseoir. Elle veut se promener. Voilà. Elle est là. Voilà. Avec un beau ciel bleu. Voilà, je continue à vous montrer. L'intérieur, je m'assieds. Pourquoi? Pour que vous voyez bien en dessous. Parce que regardez les amis, ici. Et moi, je suis là pour ne pas me cogner en me relevant parce que je me ferai très mal. Et filmer en même temps. Et je préfère d'abord vous montrer. Et puis, je me remettrai debout pour vous montrer le reste. Je vous explique beaucoup de choses. Je vous dis. C'est pour éviter de me cogner la tête. Voilà.
Alors je vous montre en profondeur la petite cabane de la pleine nature. Ficelé avec des ferrailles, des gros morceaux de fer, comme ça, pour que ça tienne bien. On n'a pas que ça tombe sur nos têtes, hein, les amis. C'est justement ce que je me disais, j'espère que ça tient fort assez avant de m'asseoir en dessous. Mais vu que j'ai vu qu'il y avait des grosses ferrailles, je me suis fait confiance. Voilà, comme tout le monde. Voilà. Oups, je vous montre l'autre côté. Ici. Et alors il y a, oups, un grand bois qui monte, oups, dans les nuages. Je rigole, hein, les amis. Voilà, des gros bois, comme les bûcherons transportent sur les hauts camions. Ceux qui connaissent tout ça, voilà. C'est comme ça. C'est un peu rangé comme un transport de grands camions. Et vu que je suis assez petite, les amis, j'essaye de vous montrer du mieux que je peux, j'espère que je montre, pour vous montrer tout le bois. Voilà. Et là aussi. Voilà. C'est la même chose, à part que les bois sont rangés un peu différemment, dans le sens inverse. Voilà. De toute façon, vous comprenez, hein? Voilà. On dirait un peu comme un bateau. Regardez, les amis. Finalement, ce n'est même pas une cabane. On peut considérer ça comme une cabane. Moi, j'appellerais plutôt ça un bateau. Il manque juste la voile, la grande voile. Santiano, de Hugo Frey. Voilà, le grand bateau. Santiano. Voilà, regardez comme c'est bien fait. Voilà, je suis sûre que c'est ça. Je vais encore vous le montrer un peu plus loin. Avec la grande, on va pas dire la grande voile, parce qu'il n'y a pas la grande voile, il manque. Mais avec la grande, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais dire la barre, pour faire tenir la voile, la grande voile. Voilà. Et je vous le montre en profondeur parce que je trouve ça magnifique. Un grand bravo à ceux qui ont fait ça. Alors là, franchement, les amis, un gros pouce bleu, hein, pour moi. Ou plus, beaucoup. Voilà, je vous montre de jolies choses aussi. Le petit train s'en va dans la montagne, dans une de mes précédente vidéo,
Et ici, le grand bateau Santiano de Hugo Frey. Voilà. Alors, ma grande fille, vu qu'elle n'est pas là, je vous le montre sans elle, parce qu'elle avait dit qu'elle m'accompagnerait, mais voilà, elle se promène plus loin. Voilà, j'espère que vous me voyez bien avec le grand bateau. Et j'ai déposé mes fleurs. Voilà. J'essaie de cintrer l'image. J'espère que tout sera bien fait. Voilà, pour vous montrer. Parce que j'ai le soleil en plein visage aussi. Voilà, le grand bateau. Voilà, les amis. Voilà, comme ça. Vous me verrez mieux. Oups. Voilà. C'est beau, hein, les amis? C'est tout beau. Voilà. Et j'essaie que ma grande-fille vienne avec moi, mais parce que je voudrais bien vous montrer plus loin. Mais je ne sais pas où elle est partie. Voilà. Le beau bateau Santiano. Voilà. Et je vous montre encore un peu. Et le beau chant des oiseaux aussi. Parce que c'est très haut, hein, les amis. Si je dois vous montrer là au-dessus, voilà. Je suis un peu trop petite, hein, pour vous montrer au-dessus. À part ici. Normalement ici, ah oui, voilà. C'est ce que j'ai voulu vous montrer tout à l'heure. Mais vu que je fais de l'équilibre sur une grosse bûche, pour ne pas tomber. Voilà. Grand bateau. Voilà. Peut-être qu'on lui mettra la grande voile. Et un grand pouce aussi pour les gens qui l'ont fait. Magnifique. Moi, j'adore ici la vision. Moi, je trouve qu'elle est très jolie d'ici. Soit comme ceci. Je vous montre bien. Ou soit comme ça. Voilà.
ou même comme ça. Voilà. Vous me direz quoi aux commentaires dans les vidéos, dans ma petite vidéo. Comment trouvez-vous mieux le bateau? De côté, de profil ou de face? Voilà, comme ça aussi il est mignon. Il est tout beau et je vous le montre encore bien de loin. Comme ça on voit la grande perche au-dessus. Voilà. Voilà, je me tourne un peu parce qu'il y a des gens pour ne pas filmer les gens sur ma petite vidéo. Et je filme assez longtemps, les amis, parce que moi, quand je vois quelque chose de magnifique, il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi. Je vous montre tout en profondeur. Voilà. Le grand bateau de la pleine nature. Voilà, je fais un peu comme ça, les amis, parce que il y a quelqu'un. Et voilà. Et ma grande fille, elle est là-bas au bout. Il y a encore beaucoup de petits boutons d'or. Voilà, je marche dans les hautes herbes. Voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo, le bateau, vous plaira. Alors j'ai dû me bouger parce qu'il y avait quelqu'un pour ne pas filmer les gens. Voilà, je voulais filmer en profondeur. Il y a encore de jolies fleurs. Là aussi, des grandes pâquerettes, marguerites, voilà.